Hello à tous, salut les amis. Bon là je me retrouve dans la Twilight parce que j'avais débranché le système ici parce que ça envoyait trop de bordel. Du coup tout est stocké là. Puis au passage j'en profite pour réduire le stock. Alors, vous avez juste à faire ça, tac tac tac. J'ai mis un crafting terminal pour pouvoir faire les crafts justement. Et puis c'est pareil avec les graines, on peut faire ça. Hop. Et voilà, ça marche nickel. Alors par contre, je pense que je vais couper peut-être le système du blé, parce que il y en a pas mal du tout. Je voudrais bien remettre ça. Et là, vous voyez, c'est bah, les essences, 22 000, ça fait pas mal. Puis des zombies qui apparaissent tout le temps. Oh, t'as une tête. Ah, vous voyez, j'en ai récupéré encore un petit peu. Ah oui, aussi, j'ai chopé un villageois. Alors, ce villageois-là, il nous faut du papier contre de l'émeraude. Bon, on va retourner là-bas parce qu'à la base, ça que je voulais faire, moi, c'était de l'enchantement. Oula. Et puis, ils font du bruit, il va falloir que je coupe ça ou que je trouve un système. Alors j'ai fait pas mal d'enchantements justement grâce aux tous les orbes d'expérience. Ça me permet de mettre une fortune 3 et bénéficiaire 4 et un break 3 sur une pioche en diamant. Enfin c'est une pioche que j'avais déjà. Et je crois qu'il m'avait fallu. Alors c'est pas celle-ci, c'est cette pioche-là. Il m'a fallu 43 niveaux pour la réparer. Alors je pense qu'il va falloir que je trouve une autre outil ou que je passe directement à la drill. La drill, le problème c'est que la drill, pour la faire, il nous faut la turning table. Alors attendez, turning. Alors, tuning table, il nous faut du iron plate. Ah ouais. Non, je dois confondre. Ouais, c'est ça. Il nous faut du steel. Et pour ça, il nous faut le metal fonder. Former. Attendez. Block cutting machine. Non, c'est metal former. Alors, il y a Metal Former, voilà. Bon, lui, c'est pas compliqué. C'est le style qui est un peu plus chiant. Ah, quoi qu'on peut peut-être en. Ah, ouais, mais non, mais il faut faire fond du style. Ouais. Ah, mais attendez, si. Ah, bah, ah, mais oui, attendez, 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 attendez. Peut-être une solution. Oh, j'ai mis ça. Alors, la table est là-haut, dans la maison. C'est une table de désenchantement. Mais je crois qu'on. Oh! Bah, ah merde, ça m'a tué. Nickel! J'avais pas pensé du tout à ça. Bah, c'est cool ça. Déjà, un problème de résolu, ça évitera que je fasse la fameuse machine que j'aime pas du tout d'ailleurs. Bon, on va ranger ça avec les autres Engor. Il y a quand même pas mal de lingots. J'ai dû augmenter le fer, la redstone et le coal. Et d'ailleurs, ah oui, aussi, j'étais miné grâce à, bah, justement à ma fortune 3. Justement, des Dragonium Dust et du Under Earning. Parce que justement, celle-ci, on va l'utiliser pour faire. Pour faire ceci, utilité, et ça que j'ai envie de faire, c'est. Oh, c'est peut-être. Oh non, pas une Zero Star quand même. C'est plutôt ça. Bon. Je vous fais voir qu'est-ce que j'ai envie de faire là maintenant. C'est la Desenchant. Alors, ce truc-là permet de mettre un truc dedans et de désenchanter et récupérer en forme de bouquin.
Je l'ai testé en créa. Oui, c'est du diamant qu'il faut. Et j'ai trouvé une méthode assez sympathique pour récupérer des bons enchantements. Alors comme je sais pas si vous savez, mais en mode Vanilla, tous les équipements en or ont des meilleurs enchantements, mais par contre une durabilité un peu merdique. Et voyez là, j'ai un skill touche que j'aimerais bien récupérer. Alors le but c'est que je vais faire pas mal d'enchantements avec de l'or et récupérer grâce au à la désenchanteur table de Dragonic en forme de bouquin tous les enchantements. Au passage, vous voyez, j'ai pu récupérer ça sur un PNJ qui traînait à l'extérieur. Ah, je vous ai pas présenté le poulpe Jésus. Alors, c'est un petit poulpe qui est à l'intérieur, il se nomme Jésus, mais là on peut pas le voir à cause de la vitre. Et si vous regardez, je peux pas vous faire voir là comme ça, mais si vous regardez sur la minimap en haut, vous voyez Jésus. Alors, c'était tout simplement pour récolter. Alors, je sais plus c'est quelle machine j'ai mis là-bas. C'est un break-in, je crois. Ah mince, j'ai cassé le. Bon, attends, alors, du coup, ouais, c'est un. Non, c'est un rancher. Mince, du coup, ça va faire moche. Bon, c'est pas grave, je remettrai. Oh, ouais, il va falloir que je la recharge. Ouais, non, de toute façon, c'est pas besoin. 54, 57 stacks, ça va le faire. Donc, on va éviter de trop perdre de temps. Alors, il va nous falloir de l'émeraude. C'est pour ça que j'ai ramené le PNJ qui est dans sa Pokéball. Bon, pour l'instant, je l'avais libéré dans la maison, mais j'ai vu qu'il avait tendance à s'enfuir par les portes. Pokéball rangé. Enfin, Safari Ball. Et pour moi, c'est des Pokéballs. Donc, Emerald, ça va être fait. Bouquin enchanté, c'est pas un souci. Il va falloir refaire une table. Alors, du coup, c'est ça qu'il va nous falloir faire. Alors, ceci. Comment on fait ceci? Ou ceci? Non. Recette négative. En fait, j'ai pas du tout la recette. Recette de ça. Ouais, mais ça m'aide pas. Ah oui, au passage, j'ai passé la version. On était en 1.2.1 et du coup, j'en ai profité. J'ai passé ça en 1.4.1. Alors, ah, il faut les faire cuire directement. D'accord, bon, bah. Ah, il me semblait que ils ont dû modifier le craft parce que normalement, il fallait entourer ça. Bon. Alors, il va nous en falloir deux. 4, 8. De diamants et de l'or. 4, ouais, 4, 4, 8, 8. Alors. Bon. Voilà, de l'or. Et du diamant. On commence à avoir une bonne production et c'est pas trop mal. Alors est-ce que ça cuit? Voyons voir. Ouais, bah ça va trop vite. Nickel, c'est bien ça qu'il nous fallait. Bon, ça va être fait. Je vais chercher un bouquin enchanté et un livre. C'est vrai, je viens de voir que j'avais une autre pioche ici. Ah ouais, c'est une pioche en. C'est pas une pioche en diamant, c'est une pioche en rubis ou en émeraude. Non, saphir. Non, saphir, c'est rouge. C'est quel bouquin j'ai pris? L'outil, non, l'outil, non, voilà. En fait, je sais pas trop, alors. On prend un enchantement. Last. L'enchantement que je connais, protection 3, non. Donc, je suis sûr, je sais pas trop l'outil, l'heure. L'heure, c'est pour la pêche, je crois. Destruction.
Oh, tiens. Bah, ah, je préfère un Lutine 3 là. Salut. Ouais. Ah, bah, je crois que ça va être ça sur ma prochaine épée. Je vais regarder les enchantements. Il va falloir que je fasse une petite liste aussi. J'ai pas pris un bouquin. Ça l'a l'air pris un bouquin. Bon, bah, je perds la tête. Non, c'était bien cette. Et comment t'es arrivé ici, toi? Alors, il y a des problèmes, il y a des mobs qui spawnent un peu partout, je sais pas trop comment. Normalement, il aurait pas pu arriver. Non, bah, pourtant, tout est bien éclairé. Il n'y a pas de passage. Hop, ici. Je pense aussi que d'ici le prochain épisode, je vais pouvoir aller faire une exploration de la Twilight. Enfin, des donjons à la Twilight, parce que j'ai pu constater que j'avais accès au. Comment on s'appelle? Au donjon de la tour. Qui était à côté de l'ancienne ferme. Du coup, je pense qu'il y aura moyen. Tiens, d'ailleurs, pourquoi. Ah, je vous ai peut-être pas parlé du nouveau système aussi. Tiens, bah, je vais en faire vite fait, parce que j'ai un peu modifié. Alors, du coup, maintenant, tout est extrait du. Non, les coffres, ils sont ici. Alors, tout est extrait ici avec empreinte énergétique. Des imports bus, voilà, les under. Ensuite, s'envoyer dans le système. Le système ici qui envoie tout ça qui est la blo les blocs de terre. Donc. Alors, moi, généralement, j'ai toujours un paquet ici. Ouais, voilà. Je vais mettre ça là. Regardez, attends, je vais vous faire voir. Alors, normalement, c'est extrait et puis c'est envoyé ici. Ça passe déjà dans le système là. Voilà, hop. Et ensuite c'est extrait et c'est la terre elle est ici, je crois. Voilà. Donc ça passe pour en bas. D'ailleurs, la cable là, on est où? J'ai. Si j'en ai deux là. Hop. Bon, ceux-là, ils sont finis. Là, c'est la terre. Là, ça doit être le sable. Et ici, c'est le silex. Et quand il y en a trop, bah en fait, ça met dans ce coffre-là, comme vous pouvez voir tout en haut là. Ah ouais, bah c'était pour faire accès rapide. Ensuite, c'est envoyé dans les barils de stockage. Et tout ça qui n'est pas extrait, tout ça qui n'est pas terre et tout, est stocké dans le système. Le système qui, lui, à son tour, en profite avec le aim storage. Sauf, enfin là, j'ai mis un averse carte. C'est-à-dire qu'il va tout stocker sauf la dirt, le sang. Mais j'ai l'impression qu'il y a un dysfonctionnement. Il faudra que je regarde ça parce que normalement, ça devrait être stocké dans le coffre en haut. Mais là, il a tendance à garder ça dans le système. Peut-être mettre une carte plus petite. Parce qu'il nous faut une carte tampon. Sinon, il peut pas envoyer la cobblestone ici. Bon, bah, je regarderai ça plus tard. Bon, après, c'est le même système que vous connaissez. Sauf que, par là-bas, bon, l'ordinateur principal, parce que c'est quand même l'ordinateur principal, celui-ci. Je l'ai relié avec un câble là-bas. Alors ici, c'est tout ça qui est la terre et les sticks en trop, qui remplissaient mes coffres, énormément. Donc, alors, voilà, attends, ah bah non, je vais pas pouvoir passer par là. Alors là, c'est le système qui relie à l'opposé la salle que j'avais commencé à faire là-bas. Que d'ailleurs, qui est toujours en travaux. Que j'avance pas très vite. Voilà. C'est envoyé ici. Ah tiens, voilà. Alors... Non, ça c'est quoi? Ah oui. Voilà. Alors lui, il va mettre tout ça qui est bah, les trucs à cuire.
Ils veulent les pulvériser, les cuire, et mettre ça dans l'under chest qui est relié au système là-bas. Je vous fais pas un dessin. Et si c'est tous les résidus qui récupèrent. Après, là, au moment, je pense que je vais faire celle des machines ici. Mais il va falloir que je mette un ME, non, un AE, P de peer-to-peer. C'est ça. Pour les passerelles, pour gagner un peu plus. Mais je pense que j'expliquerai ça dans une prochaine vidéo parce que c'est un peu compliqué. Donc, on va faire notre système de désenchantement. Alors, l'émeraude. Ah oui, bah justement, j'ai pas d'émeraude. Alors, comment on va faire? Parce que je crois que notre ami Bubux, il y en a. Bon, je vais chercher de l'émeraude et je reviens. Eh bien, nous revoici. Alors, juste pour info, pour faire apparaître, vous cliquez sur le petit point d'exclamation, c'est relié à un plan énergétique. Ça vous permet bah, justement de voir le pattern directement. Ah, il manque la table d'enchantement, mince. Bon, bah, petite pause encore. Bon, nous revoilà, normalement, c'est bon là. Et voilà. Donc, on récupère la table. Bah, je vais la mettre en haut, à côté. Et puis on va regarder ça tout de suite ensemble. De toute façon, les bouquins ils sont là. Ah, tiens, je pourrais les mettre où? Alors, je sais pas s'il faut d'ailleurs des tables ou pas. Excusez-moi. Bon, je pense pas. Alors, où est-ce que je pourrais mettre ça? Non. Oh, ouais. Ah, c'est vrai, j'en avais foutu pas mal ici aussi pour faire. Voilà, mais tout simplement là. Alors, il nous faut des bouquins à l'intérieur. Alors, dommage. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de préciser que c'est abîmé l'outil. Donc, moi, justement, c'est ce qu'il touche qui m'intéresse. Alors. Ah, c'est dommage qu'il n'apparaît pas comme l'autre. Bon. Tant pis. Alors là maintenant vous voyez, vous avez juste à poser. Je crois c'est ça. Ah oui quand même la vache. On va pas récupérer énormément d'enchantement. En breaking 3, bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Ah là, c'est ça qui m'intéresse. Voyons voir jusqu'à où je peux aller. Efficiency 4. Ouais, et puis hop. Bon, c'est-à-dire qu'on peut prendre 3 enchantements, mais après c'est fini. À moins qu'on répare l'outil. Si vous voulez récupérer vraiment le dernier enchantement. Bon bah du coup ça c'est fait, c'est exactement ça que je voulais. Bon là je peux mettre un skill touch sur cet outil-là. Quoique j'aurais peut-être. Ah mais non, attendez. Si je me fais. Mon pioche, elle est où? Elle est dans mon sac. Non, je pense que je vais me faire la drill. Ça va être le plus le la meilleure des choses à faire. Sinon, il y a peut-être. Je vais faire un enchantement ou deux. Ah, ça m'intéresse à savoir. Boost XP, parce que je sais pas trop exactement. Extra, ouais. Alors, on va voir ensemble l'enchantement. En Breaking 3, ouais, bof. Bon, de toute façon, j'ai plus de niveau là. J'ai plus de bouquin non plus. Ah, mais la pioche, elle apparaît, ça c'est cool ça. Donc je vais laisser la pioche. Le boost XP, je vais le ranger. Alors, avant, d'ici le prochain épisode, je pense que je vais faire de la Twilight sur le prochain épisode. Mais entre-temps, je vais me lancer dans la construction de la drill. Alors déjà, au premier temps, je vais pouvoir faire celle-ci, ça va être compliqué. Ensuite, ça va être ça à faire. Bon, ça maintenant, j'ai. Ah, il va me falloir l'amateur. Bon, c'est pas compliqué non plus à faire. Fortune. Ah, la fortune. Mais en fait, fortune ne m'intéresse pas trop. Alors, pouvoir tirer. Elle a peut-être plus d'énergie.
Non, durabilité. Oh, ouais, si. Mais je sais pas pourquoi l'enchantement, moi, en fait, l'enchantement m'intéresse pas du tout. Moi, je veux juste fortune, mais je pense que ça devrait pas gêner ça. Bon, de l'iridium, je pense pas que je vais en trouver, à moins qu'on puisse en fabriquer. Non, il n'y a pas de recette pour l'iridium. Drill, intelligence. Ouais, non, je connais pas. Bon, en tout cas, pour cet épisode-là, ça va, j'arrête. Dans le prochain épisode, je pense que je vais m'attaquer. Je vais m'attaquer à la Twilight, faire une exploration là-bas, et on va faire ça ensemble. Donc, bah, je vous embrasse et puis à la prochaine. Et ciao.